C'est pas évident ça, hein. Alors il faut que je me resitue la période de Louis XIV. Alors ça c'était, alors comme bon, pour avoir les dates, bien évidemment, je regarde sur le dictionnaire, il faut pas mentir. Donc Louis XIV entre 1638 et 1715. Et donc il serait décédé à l'âge de 77 ans. Il faut que je me resitue le grand siècle, je pense qu'on appelait ça comme ça à l'époque, Louis XIV. Alors je le vois bien, bon, il a une trentaine d'années, mais il faut que je le rajeunisse, que je rajeunisse, que je rajeunisse. Elle m'a dit 15 ans ou 22 ans, voilà, le Roi Soleil a dansé, a participé à un ballet, mais voilà, j'ai pas trop retenu le nom et la musique ni rien. Alors, voyons, le Roi Soleil en train de danser, Louis XIV en train de danser, est-ce que je peux voir Louis XIV en train de danser? Louis XIV en train de danser, comment est-il Louis XIV? Et bon, il a 23 ans, là. Alors donc il a l'air amoureux. Ce n'est pas ça, il est bien habillé, il est amoureux. Non, voyons, il faut que je rajeunisse. Il n'avait pas de moustache sur le 14, il n'avait rien. Comment il est le 14? Oui, 14. Alors, il a, mettons qu'il soit à Versailles déjà, voilà, qui fait les travaux à Versailles. Alors, le 14 de travaux à Versailles, il est déguisé, il va danser. Est-ce que je le vois? Non, je vois les 14 majestés, je le vois orgueilleux, fier. Il est dehors avec sa canne et toute sa cour. L'escadron de jolies filles qui derrière elles, là, toutes les marquises ou duchesses ou je sais pas trop quoi, avec leur robe, leur belle robe, on voit leurs seins. Elles sont fraîches et jolies en apparence. Voyons. Louis XIV qui serait en train d'être habillé. Alors là, il est habillé, alors je le vois de dos, il est habillé tout en blanc, c'est du blanc et doré. Il y a des trucs blancs et des trucs dorés. Ouais, il a des bas blancs, des chaussures blanches, une veste blanche avec des pansementeries dorées. Alors c'est un endroit, il y a des fontaines et puis qui jaillissent et il y a des signes blancs. On a mis un ruban au cou, rouge des signes, d'accord. Mais je vais pour l'attraper, le signe pourrait accrocher ça au cou. Donc, alors, c'est quand même relativement le crépuscule, il y a un beau coucher de soleil. Il y a toute la cour, tout le monde s'évente là, des éventails, un éventail des éventaux. voyons. Il y a des. Non, mais c'est vrai, il y a des pages avec des grands éventails comme des plumes et qui font mollement un peu de vent, quoi, voilà. Alors, le ciel est en train de s'obscurcir. De plus en plus, il y a des étoiles, on les voit bien d'ailleurs, contrairement à maintenant. Parce qu'il y a trop de lumière, donc on voit pas trop les étoiles comme autrefois. Donc, que fait Louis XIV habillé? Il sautille. Ah oui, il y a une sorte de scène peut-être, immense, là, qui doit faire au moins 40 mètres carrés, fin de long, autant de large, ça fait une belle surface. Il y a des marquises, alors c'est des plumes, alors, des plumes d'autruche, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, mais c'est des plumes énormes, immenses, il n'y a que des plumes. Des sortes de coiffures, là, des plumes alors il y a des filles avec des jupes un peu courtes, sur des bas, des collants, et puis des chaussures de danseuse, je ne sais pas, je suppose, mais.
Alors, elles battent des jambes, là, comme on voit le classique, là, mais je suis pas sûre qu'elles soient sur les pointes, là. Hein. Ça a pas l'air, je sais pas si c'est des vraies danseuses, mais ça, voilà. Elles ne sont pas. C'est les débuts du ballet, peut-être. C'est peut-être à partir de là que Louis XIV a fait faire le ballet comme on le connaît maintenant. Aérien avec des tutus et tout ça, bon, c'est pas des tutus qu'elles ont, c'est des robes longues quoi qui descendent presque à mi-moulée, pas au fond des pieds, non, pas jusqu'à la cheville, mais à mi-moulée. Et puis c'est léger, ça danse. Il y a des perruques blondes là, des magnifiques perruques blondes. C'est les hommes qui ont des perruques blondes très jolies, très frisées, très blondes. Et parce que tout le monde est en blanc, et les plumes sont blanches, énormes. Et ça fout de partout. Et puis Louis XIV, il a un masque, ouais, pour se cacher les yeux. Et il se cache les yeux. Et lui, il a l'habitude de prendre des loups noirs. Mais là, on dirait pourtant qu'il y a un loup noir. Il l'a pas. Bah, si, il y a un blanc, il y a un noir, tiens, mais il doit échanger. Mettre une fois l'un, une fois l'autre, ça va correspondre à quelque chose. Et il court, il sautille, il saute. Alors il y a des cerceaux avec des fleurs. Je ne sais pas qui tient ces cerceaux. Des cerceaux avec des fleurs. Des vraies fleurs. Et des rubans aussi, des cerceaux avec des rubans. Ça, c'est des gamines 12 ou 15 ans, il y en a ça, 12 ou 13 ans, oui. Elles tiennent ça. Il y a. Une femme aussi qui a un masque, avec un loup, avec des plumetilles, hein, des plumettes, c'est tout blanc, et elle a plein de bijoux. Mais celle-là, ça doit être la favorite du mouvement, je ne sais pas qui c'est. Et Louis XIV, quand même, il saute et puis il essaie de conserver sa grâce naturelle, là, hein, mais il est un peu essoufflé quand même. Hein. Il est sérieux, et puis des fois il rit. Et il y a la musique, et il y a plein de monde derrière, mais on les voit pas trop, les courtisans. Ils sont dans le noir. C'est bien éclairé, la scène est bien éclairée. Et non, elle n'est pas éclairée par des spots, non. C'est éclairé par des candélabres, un immense candélabre en bas. Et. Tout en bas, intérêt de ne pas se mettre le feu aux robes là. Hein. Et puis, il y a des candélabres en hauteur aussi, hein, des bougeoirs quoi. Enfin, et des bougeoirs avec je ne sais pas combien, là, il y a 6 six branches, 8 branches, et des gros candélabres d'église, comme on dirait. C'est massif, c'est lourd avec des colonnes et tout ça. Et puis il y a un feu derrière, il y a un feu de l'eau, quoi, comme on dit, qui crépite. Ça envoie plein de petites étincelles dans la nuit. Mais il est assez près de l'endroit où il danse, là, de la scène. Hein, parce que ça éclaire tout juste le premier rang, les personnes du premier rang. Hein. Et puis, alors il y en a une, elle a des joues rouges au sang. Hein, et bien. Bien peinturé seulement. Et on voit à peine les gens du premier rang, hein, puis derrière, de moins en moins, mais au fond, on ne les voit pas du tout. Hein. Il y a quand même du monde, il y a pas mal de monde. Hein. Je ne sais pas combien, mais ils sont très nombreux, au loin derrière. Hein. Donc, tant que ça, non, il n'y a pas 800 personnes quand même. Non, je ne sais pas, le chiffre 8. 80, oui, 80, plutôt que 800. Bon. Il y a toujours énormément de monde dans ce château de Versailles. Énormément de monde. Donc, que fait Louis XIV? Eh bien, il danse. Alors, il a une énorme chevalière. Elle n'est pas blanche, la pierre est noire. Hein. Donc, il y a une énorme chevalière à la main. Sur les gants, quoi, parce qu'on dirait qu'il a les gants aussi. Il ne va pas les garder toute la soirée, il y a beaucoup de choses qui changent en cours de route, quoi. Et puis, il passe, il revolte, des courbettes et tout ça. Et alors, il y a des musiciens, violon, violoncelle, violon, violoncelle, qu'est-ce qu'il y a encore?
du pipeau, peut-être un peu, et du tambourin, on dirait aussi. Il y a quelqu'un qui, je sais pas s'il fait comme ça ou comment il fait cela. Il y a un chef d'orchestre, je ne sais pas si c'est Lully, parce qu'il paraît que de ce temps-là, il y avait Jean-Baptiste Lully qui faisait la musique du roi de Versailles. Et oui, bien sûr que je connais un peu l'histoire, j'étais à l'école, comme tout le monde, enfin, jusqu'à 14 ans, quoi. Il y a alors lui, il est de dos, il n'est pas bien blanc, lui. Il a une redingote un peu ivoire, vous voyez, un peu grège, un peu marron foncé, quoi. Alors, ça reste quand même chouette, mais c'est une sorte de manteau. Il a une perruque, mais elle n'est pas aussi grande que celle des autres, elle est moins grande. Elle fait plus Louis XV que 14 ans, la perruque. Elle est un peu pratique. Et il est grand, immense quand même, cet homme. Mais il est tout étriqué, il est tout en hauteur. C'est pas un gras du vide, c'est quelqu'un en hauteur. Et puis il a l'air un peu sourcieux, enfin, je sais pas, il n'est pas si content que ça, ou il est pas, voilà, je sais pas s'il était toujours en colère quand il faisait jouer sa musique, mais il a pas l'air, enfin, il a l'air soucieux. Peut-être qu'il veut pas déplaire au roi, parce que je me demande si ça plaît au roi, tout ça, quoi. Voilà. Ça va plaire à la cour, mais bon, voilà. On dirait qu'il y a des moutons sur la scène, je sais pas, il y a des animaux pas trop loin. Des trucs blancs, quoi, des animaux blancs, il faut. Bon. Tout est blanc, de toute façon, blanc et puis doré comme le soleil, quoi, parce que c'est la puissance de 14 qui se joue. Voilà. En tout cas, le roi, il mord la vie à pleines dents à ce moment-là. Mais il est très inspiré, il a chaud, hein. Il a beaucoup chaud. Il y a des révérences, des courbettes, et je te danse en se rapprochant, en s'éloignant, et comme si c'était le muet, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, j'aime bien les courtisanes, ils s'éventent, parce qu'ils ont ceux qui ont une limite de chaleur, donc ou alors ils font ça sur une contenance, tous ces gens-là. Devant, il y a plutôt des femmes et des marquises, hein. Et bon, il y a des hommes à côté des femmes quand même, mais bon, il y a souvent des femmes là. Et quand je dis marquise, bon, duchesse, princesse, ce qu'ils veulent, quoi, parce que c'est un terme générique, marquise. Et voilà, il a l'air content, le roi, et on voit son visage, et tout à son plaisir, là. Il a des petits yeux coquins quand même, hein. Je ne sais pas s'il en profite pour draguer celle avec qui il danse, mais bon, il a l'air d'être, voilà. Mais c'est vrai que quand il se laisse aller à la danse, parce que par moment, il se réveille, je suis le roi, et alors, tant, il prend des pauses et tout ça, et puis, voilà, tout le monde est en blanc là, sur la scène, le plus possible, les gens sont en blanc, et puis des dorures, comme je dis, voilà. La musique, il y a beaucoup de violons, il y a beaucoup de contrebasses, ou des, je sais pas comment on appelle, des violons plus petits. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme. Il y a des clarinettes ou des pipeaux, non, des clarinettes, voilà, ou au bois, ouais, au bois, clarinette. Qu'est-ce qu'il y a encore comme on pourrait dire piano, je sais pas, un organe, comme il y a dans les églises de la Norgue, peut-être, un clavecin, ah ouais, ça doit être un clavecin, voilà, c'est ça, un clavecin, de temps en temps, Lully va s'y asseoir au clavecin, non? Je pense que celui qui a composé la musique, c'est Lully, ouais. Et il va s'asseoir au clavecin, lui fait la musique et puis fait danser les gens, c'est un maître à danser, c'est un maître, voilà, il donne des cours, Lully, je suis sûre. Voilà, les femmes qui dansent sur la scène, elles n'ont pas des robes comme de cour, hein, c'est des robes un peu comme si c'était un peu bergère, quoi. Voilà, beaucoup de. Voilà, elles ne sont pas trop expansives, les robes, comme on voit d'habitude les duchesses et les courtisanes, enfin, oui, les courtisanes, et les marquises.
Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Il y a une forêt derrière la Versailles. Presque on entendait hurler des loups. On entend des chiens ou des loups, je sais pas, mais je sais pas pourquoi j'ai cette notion de hurler les loups. Je sais pas si c'est les gens qui ont faim et qui hurlent plutôt que des vrais loups, mais bon. En tout cas, il y a cette notion de hurler les loups. C'est étrange, hein? C'est un peu rapport avec la danse. Et le roi, je me demande s'il n'a pas fait un tour sur une péniche, pas une péniche, une pirogue ou un bateau qu'il avait, qui avait drapé tout en blanc, et avec des rubans blancs et dorés. On dirait. Comme si c'était, et puis il y a un signe aussi, je crois qu'il y a un bateau, c'est comme si c'était un signe. C'est étrange ce bateau, c'est un bateau fabriqué pour le roi, quoi. Une barque, quoi, c'est pas un bateau, bien évidemment, les canaux de Versailles, c'est pas des canaux de Midi, hein. C'est pas parce que c'est des grands bateaux, enfin, des bateaux, quoi. C'est plutôt des petits bateaux qui vont sur l'eau, mais qui vont sur le canal de Versailles, c'est les canaux. Mais ces gens-là, ils se mettent beaucoup de poudre, il y a la poudre, on dirait qu'elle vole, la poudre. Je sais pas, moi, ce qui c'est un produit qu'ils agitent là, de poudre pour faire le quotidien et tout ça. Je sais pas comment on appelle ça. Et en tout cas, il y a une femme qui est habillée tout en noir. Je sais pas si c'est la reine de mer, si c'est encore rien, tout ça, mais elle est habillée tout en noir seulement. C'est rigide et c'est austère. Elle a très peu de dentelle, cette femme. Ouais, il y a une femme en noir. Les cheveux presque blancs. Qui c'est la mère à Louis XIV? Anne d'Autriche? Non, ouais. Ouais, c'est Anne d'Autriche, c'est la reine avec les ferrets, là, de Mousquetaire. Ouais, Louis XIII, son père. Ouais. Et il reste la reine mère. Elle est habillée en noir, et donc elle n'est pas restée longtemps, elle est restée cassée 2 heures sur cette soirée-là. C'est déjà pas mal, hein. Ça commence à partir de 16 h, par la promenade de Louis XIV, là, sur ces bateaux-là. Et puis, tout le monde est descendu et monté sur la Seine, là, pour danser, quoi. Voilà. Et la Seine, elle n'est pas juste comme ça, hein. C'est du bois, bien sûr, un peu en hauteur. C'est pas un truc qui fait 3 mètres de hauteur, mais la Seine, elle est surélevée de, je sais pas, entre 20 et 40 cm. Et autour, il y a des arbustes, là. Ils ont été amenés là, de la verdure autour des arbustes, là. Autour de la Seine. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est son histoire de ballet, là, ce qu'il a. La musique, c'est Lully. Et la danse, c'est. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Je crois bien que c'est Louis XIV qui a tout organisé là. Il a voulu que. Ouais, je me demande si c'est pas lui qui a fait l'intrigue ou le pas de danse, ou je sais pas comment on appelle ça. Il a décidé ça. Il a décidé ça. Il a décidé. Je sais pas s'il a dessiné. En tout cas, c'est parce que lui qui a tout voulu, là, cette fois-là, c'est lui qui a voulu que ce soit le décor comme ça, un placement comme ça, la scène comme ça. Voilà. Lui, il a fait le maître de spectacle, là, pour une fois, Louis XIV. Oui, il a 22 ans, au moins. 20, 22 ans, quoi, je dirais. Et à partir de là, il a eu une très forte maturité, quoi. Voilà, il s'est un peu plus. Imposé auprès de sa mère, auprès du gouvernement, voilà, il est devenu. C'est comme s'il avait passé son rite de passage, là, en montrant toute sa fortune, sa gloire, son hardiesse, sa jeunesse et tout ça, quoi. Et il y a le petit
petite moustache. Il avait une fine, là, vraiment, une toute petite ligne derrière le cou. Est-ce que c'est ce jour-là que je le vois ou pas? Ou après, quand je le vois qui devient sérieux et qui devient directif et encore plus autoritaire, quoi, comme, je ne laisse pas faire et puis il y a tellement d'intrigues dans la cour qu'il est un peu sec avec les femmes, il y en a quelques-unes qui exagèrent, quoi, voilà, parce que c'est la cohorte des jalousies et des haines entre les femmes, surtout pour les favorites, pour tout ça. Mais dans lui, déjà, 19 ans, il en avait une qui comptait pour lui, favorite, et puis 19 ans. C'est à 19 ans qu'il a commencé à organiser les fêtes et les plaisirs comme ça. La danse, il aimait beaucoup la danse. À partir de ce 19 ans, il va renforcer le ballet, la danse. Et, alors, je ne sais pas quand, mais c'est quand il a 19 ans. Ne demandez pas de calcul mental quand je suis en intuition de voyance. Et ouais, c'est à partir de ses 19 ans. Et puis. Il y a une marquise, quand il a 19 ans, il y a une femme, une marquise, elle a plein de chats, hein. Elle a deux chats, gros, les chats castrés, ça, hein. Ils sont énormes. Hein. Et alors, donc, il a que 19 ans, lui, cette femme doit avoir 22, 23 ans. Elle a l'air d'être une femme mariée depuis longtemps, mais d'être femme, mature, quoi. Et lui, il a 19 ans, et il a une copine de 18 ans, par là, qui est maigre comme un gougou. Et donc il commence à organiser, les fêtes, les danses, comme ça. Et puis à 20 ans, qu'est-ce qu'il fait à 20 ans, 19, 20 ans, à 20 ans. À 20 ans, il commence à s'intéresser à la gastronomie, là, et à manger, à choisir ce qu'il veut manger. La gastronomie qui oublie à 20 ans. À 21 ans, il va faire des travaux énormes à partir de janvier de ses 21 ans. Il va faire beaucoup de travaux, tout est peint en blanc, il y a énormément de travaux au château de Versailles quand il a 21 ans. Et donc, comme il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, la façade est blanche, tout le côté est blanc, tout vraiment très récent. Donc ça l'inspire de faire d'organiser des soirées, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et la musique, cet homme, celui-là, chaque fois qu'il présente une musique, une composition, il est mort de peur. Il a une traque fou. Mais là, cette fois où il danse le roi, là il est encore plus peur. Hein. C'est là où là, vraiment, il a peur à me perdre les pédales. Il n'ose même pas parler. On est ouvert à la bouche. Mais il n'est pas abri de la lumière, il est passionnante de lumière là où il est dans le congé, il n'y en a pas trop, mais il y en a. Il y a tous ces gens avec des espèces de ces costumes qu'ils avaient du temps de Louis XIV et qui font. On dirait presque les valets, hein, c'est presque le livre. Bon, c'est les musiciens qui sont habillés comme ça. Il y en a plusieurs qui sont en costume rougeâtre, quoi. Mais il y a beaucoup de violons. Hein. Il y en a au moins 4 minimum, 4 violons. Deux clarinettes. Ils sont nombreux quand même, hein, dans l'orchestre, là, enfin, dans le groupe des musiciens. Il y a une contrebasse, il y en a un qui a un triangle, et voilà, le clavecin dans un coin, ou l'orgue, le clavecin, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est richement orné, là, il y a de ces sculptures, elles sont magnifiques, il est blanc, ils sont blancs, et dorés, c'est magnifique. Et voilà, le roi, il tient une femme par la main. Il met la main sur sa main, comme ça, non? Voilà, sur sa main comme ça, non? Il fait des tas de manières, le roi. Et il est tout content. Je ne sais pas quelle est la conclusion du moment, mais ça court
artisan ou sa favorite, comme on disait à l'époque, ça faisait plus chic. Mais en tout cas, il va rentrer avec elle, quoi. Voilà. Oui, il y a la reine aussi, il y a la reine, mais elle est dans un coin, et on dirait, qu'est-ce qu'elle est moche, cette femme, la reine. Elle n'est pas coquette du tout, on dirait une petite figure comme ça. Elle est habillée en beige, tu vois. Je crois que ceux qui étaient en blanc, c'est ceux qui participaient au ballet sur la scène. Et les autres, ils n'avaient pas tellement le droit de s'habiller en blanc. Non. C'était des beiges, si vous... on leur a laissé du beige ou de l'ivoire, mais ou du gris clair. Mais ils n'ont pas du tout, ils n'étaient pas en blanc. Ceux qui étaient en blanc et en doré, c'était ceux qui étaient sur la scène. Voilà. J'étais au moins 17. Hein. J'ai le chiffre 17. Je pense qu'ils ont été dans les 17. Sans compter les musiciens, quoi. 17 qui sont succédés à faire la révérence au roi en dansant par la Carmagnole, mais le menuet. Roi se penche, il fait des courbettes, et puis après il se tient droit, il fait sa canne, il a une canne énorme, toute travaillée. Elle est blanche, elle a des rubans blancs, un pommeau énorme. Bon, ben voilà, bon, je peux pas, je crois pas que je peux dire plus que ça. Hein, en fait, maintenant, je trouve le coupable.